J'ai 18 ans, je viens de Mauterne et je suis en bac pro ELEC à Luxembourg et je vais continuer avec un BTS en maintenance. Et j'ai une sœur qui s'appelle Ophélie et voilà. Alors mon parcours sportif est assez simple, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à Mauterne. Et à l'âge de 14 ans, donc en U15, je suis venu à l'entente Evan et ici à Aubert. Alors mes plus beaux souvenirs en jeune, c'est à Mauterne encore, quand on jouait en U13, on est monté en U13 à titre et après on est monté en promotion avec Fabrice. Et voilà, on avait toujours une bonne entente et c'est super. Et autrement, comme cette année par exemple, contre le match contre 16, quand on accueille 200-300 spectateurs pour un match de U18, c'est toujours, voilà, c'est beau. Concernant les coachs qui m'ont marqué, il y a Fabrice Stolz avec qui j'ai passé de belles années et des montées aussi avec Mauterne. Et toujours, voilà, on est venu ensemble ici à l'USO et après... Voilà, il m'a toujours dit de faire, il m'a toujours conseillé les bonnes choses et voilà, c'est... Et autrement, il y a Béa Jean-Paul où j'ai passé beaucoup, une bonne partie de mon enfance là-bas. Et aussi, on a gagné beaucoup de coupes et des trucs comme ça, mais jamais rien de... voilà. Et enfin, il y a Valentin, qui est mon coach actuel ici à Levan, avec qui on est en train de monter en excellence, peut-être, si on gagne encore deux matchs. Et voilà, et aussi Théo Blatt, et voilà. Mes objectifs avec les vannes et avec l'USE, c'est tout d'abord de monter en excellence, et je pense que c'est pas encore fait, mais... Il reste 2 matchs sur 4 à gagner encore, sachant qu'on joue encore 3 matchs à domicile. Je pense que ça va faire. Et après, pourquoi pas envisager une place, un titre de champion du Bas-Rhin d'abord, et après, pourquoi pas, champion d'Alsace, et après, voilà. C'est tout. Alors, mes qualités, c'est. Je pense que c'est. Les tacles. Et. Aussi, peut-être mon jeu de tête aussi, qui, grâce à ma grande taille, que ça m'aide et que ça me rapporte un petit plus. Et que parfois, ça nous a déjà servi dans des matchs. Et mon défaut aussi, c'est parfois la vitesse. Et c'est pour ça que j'aime rattraper avec les tacles. Et voilà. Alors, mon modèle dans le football, c'est Pogba, parce que il est très imposant et physiquement il est toujours là et en même temps il est très bon techniquement et de la tête, c'est vraiment un joueur très complet. Et dans un autre sport, c'est je pense mon préféré, c'est Nicolas Karabatic. Parce que d'une part, il porte l'équipe de France avec sa générosité et son mental.
Et aussi sur le terrain, il est, c'est une machine, le mec, c'est, voilà, il est là. Alors des gestes techniques, j'en ai pas tellement parce que c'est pas pour rien que je suis défenseur. Malgré tout, j'aime bien parfois faire des roulettes ou des trucs comme ça, mais pas de trucs extraordinaires. Après, bon, ben, on en revient. Le tacle, j'aime bien. Enfin, ça marche beaucoup parfois, je pense. Et voilà. Les gestes que je ferai jamais, c'est des passements de jambes ou des trucs comme ça, parce que pas que je m'emmêle les pinceaux, quoi. Je m'appelle pas Jumbo Coco, quoi. Mes rituels d'avant-match, j'en ai pas beaucoup, mais un peu, je fais un peu attention à ce que je mange avant le match, s'il est assez tôt. Et après, un truc aussi que je fais pendant le match, ce que je mets avant, je mets toujours un peu le même caleçon. Alors voilà, ça peut être bizarre, mais c'est voilà, c'est un peu dans la tête où ça se passe. Et pour l'instant, il m'a porté bonheur jusqu'ici, alors voilà. Ouais, mes passe-temps à côté du foot, c'est le samedi ou pendant la semaine aussi, je bricole beaucoup avec mon père. Et voilà, autrement, peut-être quand j'ai du temps libre aussi, enfin, ouais, bon, samedi soir, j'aime bien sortir avec mes potes et après, un peu comme tous les jeunes, et voilà, et profiter beaucoup avec les gens de ma famille ou aussi avec notre équipe aussi, on est vraiment très proches. On a une bonne amitié et voilà. Alors une citation qui me tient assez à cœur, c'est ce que mon papy disait toujours, c'est quand j'avais mal ou quelque chose, il me disait toujours un Indiana kann keinen Schmerz. Et ce qui veut dire qu'un Indien ne connaît pas de mal, n'arrive pas à se faire mal. Et voilà, j'y pense aussi dans la vie de tous les jours quand j'en ai besoin. Et aussi parfois pendant les matchs où il faut se lever, il faut en donner encore et après voilà. Alors une question, quand est-ce que on va à Mallorca, Valentin? Je pense que toute l'équipe attend un peu ce moment-là, mais bon, c'est normal, pour l'instant, il dit rien, parce que peut-être, enfin voilà, on n'est pas encore champion, c'est vrai, on est loin d'y être. Et après voilà, on attend si jamais. Alors, mes plus beaux souvenirs ici à Levan, enfin, j'en ai plein. Mais je pense que le plus beau, je pense qu'il va venir et je pense que on est en train de le vivre, nous en tout cas les U18. Et voilà, pour l'instant il est bien parti pour et j'espère qu'on va le faire. Un secret de vestiaire, c'est il y a 2 semaines on avait un match ici à Aubert et on pensait que ça allait être un match largement prenable et y en a un qui a dit ouais c'est les gars si jamais vous m'emmenez un transat. Et après en fin de compte le match n'était pas si facile que ça et on s'est pris un but, il y avait un moment et après on a joué, c'était vraiment catastrophe ce qu'on a fait et après depuis ce jour-là on l'appelle Monsieur Transat. Un autre petit secret de vestiaire, j'ai déjà fait aussi des matchs avec l'équipe 2 et 3. Et ça arrive plus souvent avec l'équipe 3 qu'avec l'équipe 2, mais le dimanche matin, quand on est dans les vestiaires, il y en a qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Ça arrive des fois. Et ça se sent pas très bon, quoi. Dans les 3 mots qui définissent l'USE, c'est d'abord familial parce que on s'y sent bien
et que tous les joueurs, les spectateurs nous accueillent super bien. Et voilà, on est vraiment fiers de porter ces couleurs. Un deuxième mot qui définit l'USE, c'est l'engagement, parce que déjà, juste l'engagement de tous les bénévoles ou des entraîneurs aussi, ou même des joueurs, c'est quelque chose de très important dans un club. Et ben, comme on voit là, la marche boumante, qu'on a accueilli 1400 personnes, c'est fantastique. Et c'est, voilà, je pense pas que tous les clubs n'arriveraient à faire ça, quoi. Et le dernier mot qui pour moi définit l'USE, c'est compétitif. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'équipe 1 qui joue en régional 1, c'est pas rien. Et nous, les jeunes aussi, qui peut-être, ou l'année prochaine, se retrouveront peut-être à deux équipes en excellence. Et voilà, ce serait top.